Le bilan des morts continue à s'alourdir après le passage du cyclone Fani qui a fait 42 morts en Inde et au Bangladesh. L'état d'Odisha dans l'est de l'Inde a comptabilisé 29 tués. Le cyclone a frappé les côtes indiennes vendredi avec des vents de près de 200 km/h avant de perdre en intensité en se dirigeant vers le Bangladesh. Des milliers d'arbres et de pylônes de télécommunications et de nombreux toits ont été arrachés. De nombreux logements restés privés d'électricité pour la troisième journée consécutive. Les équipes de secours sont engagées dans une course contre la montre pour rétablir l'eau et réparer les routes.